Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 18e épisode de mon Let's Play sur le jeu sport saison 3. Donc il faut qu'on finisse dans cet épisode le défi de la terraformation. Donc je rappelle toutes les planètes, pas toutes mes planètes. Chaque épice différente existante doit avoir sa planète T3 dans mon empire. En l'occurrence, il nous manque les vertes qui sont T0 et les roses. Si je me souviens bien, je pense que je me souviens bien, dis-je avec un accent bizarre. Donc, là il faut le dédensifier et réchauffer. Donc, on peut le dédensifier assez facilement, le réchauffer. Je crois que je vais pas avoir assez de pluie de météores. Ah, quoique si. Au moins pour le T1. Ouais, en espérant que ça passe bien. Aïe! Ah. Quoi? La vache, c'est le foutoir. J'ai presque plus de vie. Ok. On va absorber un peu pour empêcher de remonter trop. Voilà. On est parti. On va poser des trucs. On va stabiliser l'écosystème. Oui, c'est vrai que... Je pose ça d'abord. Voilà. Oh, bioprotecteur et monolithe. Oh oui, on change de grade. Alors, ce zoologiste 2 nous a filé bioprotecteur et monolithe. Sachant que monolithe, c'est toujours très très sympa, la grosse référence au... Attendez, hop, on va l'empêcher de s'absorber un peu trop. Voilà. Toc, on s'arrête là. Normalement, ça devrait être bon. Le bioprotecteur, c'est pour empêcher les catastrophes écologiques. Et le monolithe, en fait, c'est une référence au film, encore une fois, L'Odyssée de l'espace, de Stanley Kubrick, qui est juste génial, hein, intemporel ce film. Où, en fait, il y a un monolithe envoyé par une civilisation extraterrestre qui intervient, en fait, sur la planète Terre à chaque grande étape de l'évolution. Et donc au début du film, on le voit arriver, on voit un monolithe au milieu des singes, donc à la préhistoire. Et ces singes, non, il faut pas que je mette ça, c'est une usine que je dois mettre d'abord, je crois. Et ces singes, en fait, du coup, commencent à se taper dessus, à découvrir l'art de la guerre, ce qui est un peu le nerf de l'humanité, on a l'impression. Si on regarde l'histoire, il n'y a jamais eu de véritable période de paix, donc effectivement, c'est pas si logique que ça. Bon, j'espère qu'il va pas trop s'éloigner le truc T1 là. Bon, alors là, il faut qu'on aille trouver de quoi se réchauffer. Enfin, de quoi réchauffer cette planète. Et pas trop cher non plus. 11 000. Je vais me fournir sur une autre planète parce que ça coûte quand même vachement cher. Oh, et en plus de ça, il y a... Comment ça s'appelle? Il y a... Énergie et santé basse. Non, c'est pas ça, c'est... Je vais le retrouver, Ah voilà, excellent état et grande capacité énergétique de dispo. Et ça, c'est vraiment cool. Il faut aussi qu'on arrive à vendre ces différentes épices à très bon prix. Parce que là, pour l'instant, je vais pas les vendre à très bon prix, d'après ce que j'ai compris. Alors. Non, vous ne vendez pas ce que je veux. Ce qu'il me faudrait aussi, c'est changer de moteur. Parce que là, pour l'instant, j'ai un moteur pourri. Mais quand je dis pourri... 58 000. Ça fait 1 million. On peut y aller à 1 million. Sachant que là je vais aller en récupérer un bon petit paquet d'un coup. Alors on va acheter les puits de météores, on va acheter les tempêtes glaciales. Allez, on va acheter les colonies express. Voilà, on y va. Il y a des monolithes. J'ai envie d'essayer un monolithe. Parce que c'est toujours drôle les monolithes. On va acheter un monolithe. Allez, on va acheter un monolithe.
Donc il faut qu'on trouve une planète face tribu. Oh, une d'attaque de pirates. J'arrive, j'arrive, j'arrive. C'est quoi? C'est ma planète à épices jaune. Ma planète à épices jaune. Qui est déjà à 15 sur 15, étant donné que j'ai mis énormément de bâtiments. Ce qui est très très bien. Et ils sont où? Ils sont là. J'ai mis énormément de bâtiments, ça fait monter les badges. Et en plus de ça, ça augmente largement la production. Mais du coup, il va falloir peut-être que je mette des trucs pour sécuriser mes planètes. Au moins une planète à épicer 3 parce que. Les autres, je pense qu'on va s'en ficher. Ça reste des pirates, ils veulent juste épices. Hein. Reviens là. Il faut aussi que j'achète du meilleur matos de guerre. Pour être bien tranquille. Parce que j'ai quoi de disponible en matos de guerre? J'ai le missile antimatière, j'ai le méga auto LCA, j'ai la juste bombe. Ouais, j'ai vraiment beaucoup de choses. J'ai beaucoup de choses et ça va être pratique. Parce qu'une fois que j'aurai un peu augmenté santé, tout ça, énergie, je m'attaquerai à un empire parce que. Genre, c'est qui ceux qui m'aiment pas trop? Non, c'est pas les verts, c'est pas les oranges, c'est les violets? Il n'y en avait pas qui me demandaient des trucs à 500 000 là, enfin qui m'avaient demandé 400 000 Sporflouz et que j'ai dû accepter sinon on rentrait en guerre. Moi je sais plus, il faudra que je regarde. Je sais plus qui c'est, mais je pensais qu'ils étaient restés en moyen. On est devenu alliés avec eux, c'est nouveau ça. Donc, alors, oula, oups, désolé. T'as 2 secondes. Voilà, ouais, j'avais juste oublié d'enlever mon tweet deck. C'est mon interface, c'est un petit logiciel pour avoir une vue plus pratique sur les comptes Twitter. Donc, alors, on va réchauffer cette planète. Déjà. C'est parti, les météores, vous pouvez commencer à tomber. Et d'ailleurs, est-ce qu'il ne faut pas que j'aspire un peu les nuages? On va aspirer un tout petit poil des nuages. Genre vraiment un tout petit poil. Voilà. Attendez, c'est la même planète? Oh bah tiens. C'est pas si pourri que ça. Alors là, attendez, j'ai un changement de niveau de. Il faut que je terraforme cette planète. Pas de petits trucs? Ah si. Alors là c'est bon, il faudrait des créatures pas neutres. Voilà, stabilisation de ce niveau-là. Oui, alors attendez, on va aller chercher le fric qui a dû laisser tomber. Il est où? Voilà. On va juste supprimer cette cargaison là. Voilà. Hey, ils sortent d'où là? Ils étaient pas prévus à la fête eux. Attendez. Ah, je me prends dans des cailloux. Je me prends dans des cailloux. Voilà. Donc là, il faut encore qu'on change de niveau. Il me faut, il me faut, il me faut une pluie de météores encore. Et là, on doit arriver normalement en T3. D'ailleurs, on va peut-être poser une colonie express quelque part. Attendez, encore des gens qui attaquent. On va s'occuper de ces qui attaquent encore là. Je vise très mal. Ok, garde du corps, c'est bon. Allez, tu rentres. Tu y arrives. Allez, il reste pas grand-chose. Allez,
Allez, je crois qu'il va falloir un deuxième. Ouais, il m'en faut un deuxième. Et vite. Toc. Voilà, c'était pas assez chaud, évidemment. Attends, on va récupérer les trucs qu'ils ont laissés. Yeah, je suis trop loin. Alors, oulala, 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 il y a le rayon chaud et le rayon frigorifique qui sont arrivés, ce qui est très très bien. Toc, déjà ça, est-ce que ça je l'ai déjà posé? Je l'avais pas déjà posé, ce qui est une bonne nouvelle. C'est déjà posé celle-là? Ok, là c'est bon. Stabilisation d'indice T, ensuite il faut que je mette les dernières créatures. Est-ce que j'ai déjà posé celle-là? Je crois que j'ai déjà posé du coup. Voilà. Et il m'en manque une, il manque une carnivore. Il me faut juste une carnivore. Allez, toi tu es bon. Oui! Tout est bon, tout est bon. On a réussi, il en reste plus qu'une. Bon, il faut juste qu'on mette la dernière colonie express et qu'on s'occupe des dernières villes. Enfin, il faut qu'on s'occupe des villes correctement. Et ça sera bon. Alors, le même principe qui fonctionne très bien. Ça fait pas mal d'espices à l'heure. C'est pas forcément le plus optimisé, mais ça fait au moins de la bonne épice. Épice qui est une référence à Dune, hein, évidemment. Je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Au film Dune et au livre Dune, surtout. Plus qu'au film de David Lynch. Je l'ai toujours pas lu d'ailleurs, Dune. Faudrait que je me le trouve. Il faudrait que je me le trouve. Je pense que je peux aveuglément vous le conseiller parce que il paraît que c'est vraiment un livre excellent. Alors, on va finir d'installer tout ça. Il manque quoi? Il manque une usine. J'ai vraiment avoir plus de thunes par contre. Il va falloir impérativement que j'aille chercher du... comment ça s'appelle? De l'épice violette pour aller vendre tout ça. Non. Décidément. Alors au moins on sait qu'on peut trouver à peu près n'importe quelle épice en grande grande quantité assez simplement. Parce que là je fais du plus 86 x 3. 250 à l'heure, bon bah voilà, 250 à l'heure ça commence à faire beaucoup. Reste l'épice rose, mais je vais d'abord récupérer de l'épice violette, parce que sinon j'aurai jamais assez. Et non, c'est pas cette planète là. Il est où? Ah, elle est là, avec l'épice bleue. 30 sur 30, 30 sur 30 évidemment. Oh la vache, 57 épices bleues, il va falloir que je la vende. Il va falloir que je la vende. À 20 000. C'est pas si mauvais. Boum, le million. Le million. Le million. Oui, je vais arrêter de hurler par contre. Non, c'est pas là que je voulais aller. Il faudrait que je rachète ce système aussi. Alors, 23 000, on s'en fiche. Alors, il reste la planète T2. Il faut qu'on rachète juste du matos de terraformation. Ah ouais, mais j'ai le rayon chaud, le rayon frigorifique, donc j'ai même plus besoin d'avoir les équipements. Les équipements à la mormole nœud là. Alors, les colonies express, bon, elles sont pas si peu chères que ça, mais au moins j'ai les deux colonies express qui me manquent. On va aller voir ici, s'il y a quelque chose. Non. Il me faut le rayon froid et le rayon chaud. Deux rayons, s'il vous plaît. J'ai pas envie de traîner. Non. Alors, vous avez quoi vous?
Ils avaient pas le rayon froid ni le rayon chaud. C'est pas sympa. On va aller voir là-bas. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Oui, un cadeau de 10 000 Sportflouz. C'est génial. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, danger dans l'écosystème. Bon, là, on arrive. On arrive. Toc. Ah, mais c'est en épice rose en plus. Ça craint. Ah, oui, j'ai même pas la terraformée d'un niveau. Ah, attendez, non, c'est pas ça que je voulais faire. Elle est déjà en T1. C'est où? Non, c'est là-bas. Voilà, c'est bon. 23 000, ouais, c'est pas beaucoup quand même. Bon, bah, je sens qu'on va devoir acheter des rayons chauds et froids ici. Et mais du coup, j'ai pas les sous pour. Oh, du coup, j'aurai pas les sous pour terraformer correctement la planète. Enfin, si, j'aurai les sous pour terraformer, mais pas pour mettre les. Comment ça s'appelle? Les bâtiments. Voilà, j'y arrivais. Donc là, il faut que je réchauffe et que je densifie. On va commencer par réchauffer. Réchauffant. Ça me flinguait mon énergie, mais genre violemment. Alors, on crame les arbres. Alors, ça c'est bon déjà. On va commencer par le début. Cale-toi un endroit peinard. Voilà. Ok, déjà ça s'est stabilisé. Toc, voilà, ça c'est fait. Ensuite on peut poser la colonie. On peut aller voir ailleurs. C'est vite fait en fait. Je vais juste plus avoir assez d'énergie, il va falloir que je ravitaille. Ça coûte pas très cher, ça va. Ensuite, là, je vais avoir un gros problème. Rayon frigorifique, parce que là, ça va trop dans le mauvais sens. Pas de bouger, voilà. Et on va augmenter la densité de l'atmosphère pour arriver sur le cercle central. Si seulement c'était aussi simple dans la vraie vie. J'ai lu pas mal de choses sur la terraformation de la planète Mars, et c'est techniquement possible, mais c'est techniquement très long aussi. Là, ça va quand même vachement vite. Ah, attendez, hop, je vais pouvoir poser les nouvelles plantes et autres petits trucs. Voilà. Et on va l'empêcher d'aller trop loin, le. Voilà, c'est bon. Dernière partie d'écosystème terminée. Et on va pouvoir poser cette colonie express. Malheureusement, on n'a pas les sous pour mettre les bâtiments. Mais bon, au moins, on a nos trois colonies T3. Enfin, ouais, on a nos trois colonies sur cette planète. Qui est du coup en T3. Ce qui est très très bien. Donc, on a réussi le défi. Je vais faire le compte. On a Show 14, donc dans le système Show 14, Didala, pardon, qui est l'épice rose. La Vic, épice verte dans le système E-Anime. Bon, voilà, épice rouge, Assain. On a épice jaune, Balokov, dans le système Castasis. On a bleu et violette, Gizgi et Oru sur les merves, qui sont les épices bleues et violettes, voilà. Et donc c'est très bien tout ça. Oula, j'ai plus de place pour stocker épices. Et ben ça fait 20 minutes en plus, 55 épices. Ah, ça me donne trop envie. Donc on a fini le défi. On a fini le défi.
Ce qui veut dire qu'on va supprimer tous les trucs de terraformation parce que ça devient lourdingue. Normalement, j'aurais plus besoin de terraformer quoi que ce soit. Je crois. Donc, je regarde les défis. Au pire, c'est pas très grave, je pourrais aller rechercher des bestioles. Mais là, mon inventaire est tellement le foutoir. Oui, j'arrive. On va faire un peu le vide. Je vais pouvoir récupérer les épices parce que là, du coup, je suis vraiment trop plein. Et ça sera bien parce que du coup, je crois qu'on a fini au moins le défi des épices, des colonies T3 en épices. Ce qui est très très bien. Hop, 25 épices bleues. On peut pas déplacer parce que ça fait un bordel dans l'inventaire là. Ah, attendez, qu'est-ce qu'ils me veulent? D'accord, c'est juste parce que je peux racheter le système. Ok, et ben on va arrêter là l'épisode. Ça y est, un défi de réaliser en phase espace. Je vais regarder ce qu'il me reste à faire et puis on verra dans le prochain épisode. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Quant à moi, je vous dis à dans 3 jours pour la suite de cette aventure. Allez, salut à tous!